On y va ? En route pour Paris et son Arc de Triomphe. Ce soir-là, des jeunes de Montigny et voisins vont avoir le privilège de participer à la cérémonie du ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu. C'est une cérémonie assez importante à laquelle nous avons, les trois communes concernées, souhaité impliquer nos conseils municipaux des jeunes, parce qu'il nous a semblé que la mémoire, elle doit se transmettre, se raviver également. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nos conseils municipaux des jeunes sont présents. C'est Warren Kabedi, ancien président du conseil municipal des jeunes de Montigny, qui a été choisi comme porte-drapeau. Je sens que c'est important pour toutes les personnes qui sont là. Ouais. C'est une certaine fierté aussi pour les élus de ma ville, donc je suis content de le faire. C'est un moyen de se rappeler qu'il y a eu la guerre et de se rappeler qu'il y a eu des gens qui sont morts pour nous. L'association des officiers de réserve des Yvelines a effectué tout un travail de préparation auprès de ces jeunes à propos de la finalité de cette cérémonie, car la guerre de 14-18, pour certains, c'est un peu flou, reste le symbole. Moi, je pense que c'est très important qu'on soit là en tant que jeunes, parce qu'on existe en France, donc je pense que c'est un symbole fort. En tout, 60 jeunes Yvelinois venus de Montigny, Voisins et Viroflay ont participé à cette cérémonie. Le ravivage de la flamme a lieu tous les jours à 18h30 depuis 1923, en mémoire des soldats français tombés pendant la guerre de 14-18.